It's a winner! Charmant au contraire quoi. Au moins ça passe pas par quatre chemins quoi tu vois. Si ton objectif c'est t'envoyer en l'air, ça marche quoi, je veux dire. Mais. Cible mise à prix identifiée. Éliminez-moi ces enfoirés. Mais je veux dire. On avance. S'envoyer en l'air. C'est marqué, envoyez la sauce. Il y a des toilettes, il y a des toilettes. Striker 3, bien reçu. Frappe imminente. Survol de reconnaissance. Un drone arrive. J'ai envie de faire ça parce qu'il y a le micro qui est dans. Et je peux pas rater une miette. Elle a pas l'air à l'aise. L'atterrissage principal marqué. Elle a pas l'air à l'aise pour les directions. Ah, avec le chou. Avec le chou de gomme, c'est parfait. C'est tout seul. Elle est trop bien faite. Attention, le drone n'a plus de carburant. Retour à la base pour ravitaillement. Qu'est-ce que vous en savez? Attention.
être sexy, ça dépend des gens. On avance. Moi ça me fait tomber de rire, c'est bon, on pense vraiment. Tout rire aux gens dans la pièce, on peut tourner vers la ennemis déployés dans la zone des opérations. Je suis arrivée, la nounou est montée sur la tête. Et aujourd'hui, la nounou l'a lâchée. Elle lui a dit aujourd'hui qu'elle peut remporter son bébé à l'intérieur. C'est parce qu'elle avait plein de poids autour d'elle. Ah, ben voilà, c'est bien. C'est bien. Je me suis fait toucher. Soldat ennemi en approche. Sois ici. Contact. S'il y a tous y a dans faire sa copine, effectivement ça veut dire que l'armée voulait foutre la paix. Il n'y a pas beaucoup de dialogue à dans cet épisode pour l'instant. C'est plus réajuster ta tenue et tes cheveux, chanter fort, faire le twerk avec ta copine, ta copine, crier au feu pour dégager la piste du danse et éloigner la concurrence. Alors je suis descendue déjà par un B. Mais par un B. Comment est-ce Femelle, tout femelle. Je pense que ça va choquer si elle t'en pas. T'es. Chantez fort, ça peut être j'ai envie de plus. Allez, l'actrice elle est parfaite, en tout cas elle est magique. Si elle commence à chanter faux, ça va être parfait. En plus, il y a aussi une musique sans parole, donc. Voilà, c'est ça. Un véhicule léger par ici.
on est carrément là, c'est on dirige une meuf en fin de soirée. C'est vraiment, elle est en toute fin de soirée, elle est déchirée. Ah ouais, mais elle était prouvée. La cible mise à priorité identifiée. Occupez vos ailes. Elle a tout dit tes cheveux. Il paraît que quand les femmes frottent machin leurs cheveux comme ça, c'est inconsciemment un truc qui nous vient de notre reste animal parce que ça envoie des phéromones. Enfin, j'ai lu ça quelque part, je sais pas. Enfin, je crois que c'est Bob qui m'a dit ça, donc c'est peut-être une source, c'est peut-être une source de merde. Si c'est excessif, mieux si c'est juste après avoir échangé un regard. Je vais conduire. J'ai trouvé une protection ici. Ennemis dans la zone. Ennemis dans la zone. Ah, voilà. La cible mise à prix a été éliminée. Bien joué. Sécurisez tout l'argent dans la zone. Un hélicoptère hostile transporte de l'argent. Abattez-le. Tamir d'Israël, tu vas utiliser la technique du partenaire qui va aménagement. Alors, je suis. Je connais pas du tout. Je suis allié dans les airs. Très curieux effectivement, de voir ce que c'est. Radar en cours. Ok. On avance. Mesdames, on est mis au-dessus. Vous venez d'apprendre une nouvelle technique. Oui, eh, c'est barré avec son portable. Elle lui a volé son portable. C'est quel conne, quel connasse. Elle lui a volé son portable, je rêve. Alliés dans les airs. Balayage radar en cours. On avance. Voilà. C'est comme, le, comme dans les Pokémon ou quoi, quand vous avez appris une nouvelle technique, il y a toutes les nanas derrière l'écran qui fait ah. Vous avez appris la technique de Dame Layeul. Ennemis dans la zone. Au travail. Choi Moho. Fallen down. Avancez.
musique a changé. Ah, c'est mon ami là-bas. Oh, je t'ai pas vu depuis des lustres. Ah, on se retrouve toute seule là du coup. Il n'y a plus personne pour nous retenir. Oui, mais le verre, ça va plutôt contre. C'est plutôt pour la lâcher, je pense. Par contre, là, elle danse à côté de son verre, ça fait vraiment alcoolo, quoi. Oh là, que ça, c'est. Le mec, il arrive avec un sac. Quoi. La facette sur patte. C'est un genre de compliment. Il est tout petit. Il est vraiment tout petit. Ah non, c'est juste tout. Il n'est pas assez. Quelques faisans que j'ai abattus ce matin, 10 grammes de colombienne et 4 bouteilles de pétrus. Et c'est un mec un peu cringe donc. J'ai jamais travaillé de ma vie, je viens d'une famille riche. Ah, c'est intéressant. Lui dire qu'il peut tout faire avec toi sexuellement parlant, commencer à le toucher avec sensualité, faire semblant d'être de la haute société. Je rappelle que le but est de s'envoyer en l'air. Donc il y a un moment. L'échauffement est terminé. Fini de rigoler. N'importe quoi. Et en même temps. M'attacher, me couvrir. Attention, bombardement de précision à l'approche. Et du coup, on va en rester là. Alors, en fait, cette conclusion là que vous voyez, je l'ai dit.
Vendeur, si vous avez besoin de quelqu'un, besoin de ça, quelqu'un besoin de ça. 2 minutes 30 voilà. On a des soucis. C'est un chiffre normal. Ici, il y avait un réseau wifi orange. Ouais, il est sur la connexion orange. Je voulais reculer. Ah, chez les voisins, il y a orange, peut-être. C'est pas, il y a un réseau. C'est tout, hein. Il est prêt. Oh là là. C'est autour. Ça pourrait me faire. Alors c'est bien. Identifié la cible mise à confirmée. Occupez-vous d'elle. Frappe à dispersion et mine. Bon angle au sol. Il avait un peu d'envoi. Bon, le petit Et son mari, c'est qui? Je connais pas. Moi, je joue moins de 9 mois. Une anecdote.
Ouais, j'ai coupé les ponts, j'ai coupé les ponts au collège. Je l'ai amené moi sur Twitter. C'est vraiment, je suis très content. Je l'ai amené quand elle était petite, faire du tennis, pendant qu'elle faisait du tennis. Moi, je suis du golf avec ça. Il est mais si tu regardes sa vidéo, et j'adore ton jeu, ça y est, génial, vraiment super. C'est un autre milieu. Drone ennemi au-dessus. Elle faisait des rallyes. Elle devait faire des rallyes. La musique est bien pour ça. Envoyez la sauce. Ici Striker 3, on a un survol de reconnaissance. Ça dépend le niveau un drone de... arrive sur zone. Impact, mais raté. Identité de la cible mise à prix confirmée. Occupez-vous d'elle. Ah, moi je dis oui. Justement, le nouveau c'est meilleur que la vache. Quelqu'un a besoin de ça? Ouais, je suis pas sûr. Mais regarde le petit Peter Parker, s'il faut, il a des super pouvoirs. Allez! Écoute, la viande fraîche un peu. C'est pas de la viande crue, t'aimes pas la viande fraîche? Ouais, tu manges du carpaccio, non? Une équipe ennemie vous pourchasse. Restez sur vos gardes. Après, effectivement, il y a des fraîches. Ma mamie l'adorait. Ça me trop dur. Mais regarde! Attention, le drone n'a plus de carburant. On retourne à la base pour ravitailler. Ah là, la traînée quoi ça. La bonne jeune dog. Voilà. Mais genre, vous repartez pas. C'est les vacances. La cible mise à prix, envoyez le sauce. Bien joué. Il est l'odeur de zéro, bien reçu. Satisfaction envoyée. Quelqu'un a besoin de ça? Ennemis déployés dans la zone des opérations. Mais oui, mais les hommes, ils ont tellement peur maintenant. Là-bas, cible en vue. La nana, elle a peut-être envoyé des signaux, mais les hommes, ils ont tellement peur. Frappe à dispersion alliée en approche. Ah, évidemment. Mais regardez, mais n'est-ce pas l'homme parfait là-bas? Étrange, j'ai quelque... Mais non. Ah, j'ai remis du pas. Ouais,
Il a l'air sociable. Quoi? J'ai trouvé une protection. Bah c'est les parties, c'est le climat. C'est les parties. C'est évidemment ils ont on a plus beaucoup de temps pour les rejoindre la zone. Ouais, comme Gabriel. J'ai une bonne chose qu'il va y avoir. Il argumente pas trop quand même. Je suis désolé, le pouvoir séducteur il danse très très mal. Il me dirait peut-être. Ah, je pense qu'il aime se faire mal. Ouais.
C'est bon. Attends, je mets juste mon casque pour partir plus loin. Tu veux le Bluetooth ? Je lui laisse le PC ? Non, non. Ouais, c'est bon. Ok. Tu veux un message ? Ouais, c'est bon, je t'attends. Ok. T'as vu, j'ai mis tes bosquets, hein. Je sais pas si c'est assez visible, mais... que je vais regrouper 12, 13, 14, en fait je vais commenter 13 et 14 directement dessus. Tu vois ? D'entrée. Ouais. Bah à la limite peut-être le 14 et le 12 on peut le regrouper, comme ça on commente chaque jeu. C'est avant la refonte du site. C'est le formulaire en fait qui était joint au bruit. Où dans la réponse, il nous demande de faire une première analyse. Et du coup. Il y a un problème avec ça. C'est plutôt êtes-vous parent, jeune, senior, plus le profil d'habitant, quoi. Le sondage dans la maquette. Dans la home. Ouais. Parce que... Sur la home de la maquette. Il y a un... Je fais vivre ma ville. C'est ça. Répondre à un sondage, une bonne idée à partager. Parce qu'en fait, ils parlent de... Dans leur brief, de démarche, de co-conception, de choses comme ça. On s'est dit que ça pourrait être pas mal d'avoir un game dédié, mais pour d'autres sondages à venir, pas celui-ci. Et c'est ce que j'explique dans la page 15 du coup. Ok. Après je peux mettre etc. tu vois, pour ça discuter. C'est des grands retours après. Bon, formulaire, on va pas non plus faire 30 questions. Ça me semble pas mal. Ouais, bah du coup
il y a Maxime et Lisa qui ont lancé dessus. Ils ont chacun fait une piste. Et bah, la piste. Ouais, Maxime a fait la 1, Lisa la 2. Du coup, bah, on s'est dit qu'on présenterait les deux. Alors, on les a fait retravailler les deux. Mais bon, après, elles sont assez proches quand même. Enfin, proches. La 1 est beaucoup mieux aussi, hein, c'est ça qui fait l'unanimité. Mais il n'y a pas d'énormes différences. Toi, t'en présenterais qu'une. Bah, il était pour présenter les deux, mais après, oui. Ou alors faudrait les mettre, faudrait qu'on les mette dans un mobile. Ouais, on les fait défiler. Ouais. Olina, là, c'est pas pire que la bête de l'antiquaire. Ouais. Ouais, elles sont montrées, forcément. Ok. Je n'ai pas besoin d'apprendre. Mais là, là, je ne peux pas. Je ne peux pas, je suis obligé. C'est pour le public. Pour les gens qui regardent. Qu'est-ce que tu voudrais faire, là? Ah, je ne porte pas de culotte. Je ne comprends pas. Je comprends pas avec moi. Oh, non. Le bouton d'action. Oui, exact, c'est deux. Ouais, ouais. Bah, du coup, Julien m'a dit Drupal, c'est pas la peine de le présenter. Donc, on va sur WordPress ou Symfony, et puis lui, on vient de plus sur terme, c'est la même chose. On est en attente de déploiement. Profitez-en pour vous échauffer. Du coup, ils ne prennent pas tout ça aussi. C'est bon, l'échauffement est fini. Maintenant, il faut se lancer. Okay. Se rapproche de votre position, vous feriez bien de bouger. On devrait atterrir là. Faites comme si ça n'avait rien dit. Quelqu'un a besoin de table. Je prends. C'est pas un site non plus ultra compliqué à développer, je pense. Ouais, mais c'est pas... Ouais, non, alors, c'est pas le même, c'est un site. Je dirige par là. Ouais. Oui,
On a identifié les cibles. À vous de jouer. Rendez-vous au point indiqué et sécurisez la zone. Avec les dealers. Okay. Eh ben voilà, c'est le génie. Déployé. Du coup, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur le bazar du Godier. Salut à tous, ciao ciao! Ah oui, bah, ça m'a permis d'avoir confiance en moi, d'oser des choses, m'a partagé son expérience, il m'a tendu la main. Il m'a éclairci sur réellement ce que je voulais faire. Il y a un vendeur si vous avez besoin d'équipement. Je vais pas vous le mettre parce que c'était honnêtement pas très intéressant. Je vais donc passer au chapitre 8, filles cherchent relations sérieuses. Donc je suppose qu'on va encore jouer une nana. Donc c'est parti, il est temps de se poser et de trouver la perle rare. Sauras-tu faire le bon choix et ne pas tout gâcher en choisissant la mauvaise personne? But. Le gars se rapproche. Bien. J'ai trouvé un poste de secours. Un mastodonte ennemi arrive. Préparez-vous. Vendeur, si vous avez besoin d'équipement. On avance. Échec du contrat. Va falloir se réveiller. Alors, comment attirer l'attention des mecs? Avoir l'air énervé et mal luné. Sourire et t'amuser avec ta copine. Bon, on va sourire, je pense que c'est faire la gueule, c'est peut-être pas la meilleure. Intégration est à 9,6. On avance. Qui est basé sur rien du tout.
J'ai mis la main sur une protection. Oui. Mais par contre, ça va nous coûter la victoire à la fin. J'ai jeté un coup d'œil par là. Faire semblant d'être lesbienne est exhibé. Regardez ta copine et ne pas prêter attention à toi. Croiser son regard et sourire. Conseil accompagnement. Écoutez. Drone ennemi au-dessus. On a un dans le conseil d'accompagnement. Drone ennemi au-dessus. C'était pas une mauvaise réponse. Le gaz se rapproche. Changement de zone de sécurité. Et j'ajoute formation bateau-piste dans la... Je prends. Sorry guys, I can. Oula, Robert Bucheron. Ok. I don't hear you, man. Doctor, I can't hear you. I play without song. Taking care. Take it in account. Okay, this is... Destination marquée. Roger. On le top lancé! C'est bon, avec ce midi. Et qui n'en va pas? Le gaz se rapproche. Ok. Ok, bah là, je vais vous envoyer. Je me suis fait toucher! Ça marche, bah merci pour te retrouver. C'est barré déjà. Ça
Tenez-vous prêts, ça va être à vous. Tu fais quoi alors? Ça va ou... Si vous gagnez, vous repartez en première ligne. Mais si vous perdez, tout est fini. Éliminez-les ou capturez l'objectif. Je travaille. Faites gaffe à l'enceinte, hein. Au petit gars. L'enceinte 15 000, cadavre. Pas qu'elle est. Ah, c'est fou, elle relaxe. C'est un défi de Saint-Juel. J'ai eu de la chance. Il veut un petit café. On part pas 50 000. Non. Quelqu'un a besoin de cadre. Ouais. Fais tuer un ennemi! Caisse de ravitaillement identifiée. On vous indique son emplacement. Ennemi dans la zone! Objectif mis à jour. Rejoignez le nouvel emplacement. Il est cloté, ça. C'est le mec du spectacle d'avant. Courage, plus que 64 sur 150, la moitié. Half of the guys. Guys. Non, c'est pas ça du tout qui est trop. Tu l'as souvert ou... Tout ça, pour l'instant, c'est pas chaud. Attention, une équipe ennemie vous a repéré. Celui-là, je me relaxe. Sensibility. Le texte que vous avez juste avant. Oh oh! Non. Non, c'est avec les... On a perdu la bataille, mais on n'a pas encore vu notre dernier mort. Besoin de petits calibres. Plutôt simple. J'ai besoin de calibre moyen. J'ai besoin de calibre moyen. Donc on a fini 35 km sur 150 km. Not too bad, not too bad. Coach en sélection. Mec. Hi, I'm Louise. Nice to meet you.
It's my friend. I'm Sarah. Oh, nice to meet you, Sarah. I'm Nick. Espèce de gros silence. Avec combien de filles as-tu couché le mois dernier? Lui demander où trouver de la cocaïne. Mais ils ont pris de la drogue. Tu sors souvent pour te voir la gueule, demander ses bars préférés et autres, les meilleurs clubs. Je pense que c'est clairement la D. Mais. Can I revive you 5 stars? You know, white stuff. Hello? Hello? Bien vous échauffer. Déploiement imminent. Je crois que c'est fini. Excuse me, can you hear me? Can I revive you 5 times for my challenge? Is it okay for you? Sorry, what? You're kidding? I'm 40 years old. Okay for you, please? Sécuriser l'argent en terminant des contrats, en ramassant du butin ou en éliminant des cibles. On the train. Un ennemi atterrit dans la zone. Surveillez le ciel. What is that? The TV that actually works, you know? Mouvement ennemi! Why the hell is my team going to the train? The gay. What? Mouvement ennemi! Revive blue. Fuck you, man. Yeah, good. Oh my god, what happened? People on the train. We still go on the train, kiddies? Cheater? Gays. Hey, kid, gays. Yeah, what do you do, my friend? You a sniper? Professional sniper? American sniper, maybe? Je conduis. Con de merde, petit jeune puceau. Drone ennemi au-dessus. Petit con de sa race. Oh. Quelqu'un a besoin de ça? Quelqu'un ennemi!
Grenade flash lancée. Compris. Bleu, bleu, bleu. Curry, curry. Curry, please. Ennemi dans la zone. Please, please, please. On avance. Putain. Drone ennemi au-dessus. Thank you, my friend. I told you, I need to revive 5 times. So stop, no kidding. Repérer de l'équipement. Mouvement ennemi. On vous attend pour l'extraction. Marquez une zone d'atterrissage. Drone ennemi au-dessus. Atterrit dans la zone. Surveillez le ciel. Drone ennemi au-dessus. Cinq en place. L'hélico est prêt pour le dépôt. Voilà une bombe. Déposez ce que vous avez. On quitte la zone. Cargaison déposée et sécurisée à la base. Pour repérer. Quelqu'un a besoin de ça? Fais le cul, l'ennemi! Envoyez la sauce. Ici Striker 3-1, bien reçu. Frappe imminente. Grenade flash lancée. C'est raté. Ennemi déployé dans la zone des opérations. Grenade lancée. Au-dessus.
Ennemis dans la zone! C'est marqué! Envoyez la sauce! Ici Striker 3-1, bien reçu. Frappe imminente. Aucune cible n'a été touchée. Frappe à dispersion alliée en approche. Attention, une équipe ennemie vous a repéré. Span et Icarus, ils visaient moi. Voilà une banque. Déposez ce que vous avez. Bien reçu. Hélico de dépôt en approche. Cargaison sécurisée. On quitte la zone. Parfait. On a sécurisé la cargaison. Rejoignez la zone suivante et sécurisez-la. I need to revive you. Mike is on. No, please die. I need to revive you. Thank you. Best friend forever. Curious. What? Two more times. Possible? Besoin de ça? L'ennemi a perdu votre trace. Tout va bien. Survol de reconnaissance. J'y vais. Un drone arrive sur zone. Drone ennemi au-dessus. On avance. Mon gars, il a fait un headshot direct. Anticipé le headshot. Ça va? C'est pas moi? Ah, il est magnifique, j'ai. On avance!
Attention, le drone n'a plus de carburant. Retour à la base pour ravitaillement. Drone ennemi au-dessus. On avance. Ennemi dans la zone. On avance. Contact. Faites comme si j'avais rien dit. Contact. Attention, bombardement de précision en approche. Drone ennemi au-dessus. Échec du contrat. Laissez tomber. Faire un colis stratégique. Des corps pérés. Véhicule léger par ici. Drone ennemi au diverti. Grenade lancée. Reset. Bah. Ouais, c'était vraiment un beau temps. T'es sûr en fait. Ah mais il y a la caméra là.
Please, revive you, die. Die, die, die. Revive you, please. Please. Are you paid for play? Mike is on. Bien votre équipement. Les préparatifs au déploiement sont en cours. C'est bon, l'échauffement est fini. Maintenant, faut se lancer. Plus d'argent que vos adversaires. Quelqu'un veut ça? Quelqu'un veut ça? Ah, Mathis.
putain, merci, mais oui, pourquoi tu viens? C'est pas toi quand même. Drone ennemi au-dessus! Qui les coco? Tu sais ça? Comment tu vas? Un bisou? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Tu veux un bisou? Ah, oh, tu me repousses? Coquin, va. Alors? Tu me renies comme ça? Petit zouzou. Contact! Toi, petit zouzou. Cafarnaum. Ça fait rire ça. Maintenant, ouh là là. Quel souk. Je vois du mouvement. T'as vu ça? On dirait le marché de... On dirait la pyramide. On dirait la visite d'une temple de Bouddha. Fort pour les zouzous. Alors on va baisser. Il faut faire cuire un truc, hein. Non, non. Ça va se tenir. Non. La tarte, faut l'enlever, hein. Non, mais c'est pas la tarte, c'est une tarte. Ah oui. La tarte, faut l'enlever. Mon zouzou, t'es un zouzou qui sait kiffer des petits bouts. Soldat ennemi en approche. Chouchou,
Qu'est-ce que t'as vu dans ton matou? Bon, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que c'est? Il y a peut-être un sens? Mais oui, il y a peut-être un sens! Hein? Repose les zouzous. Il a quelqu'un à manger. Il fait un petit rototo. C'est ça, ton zouzou. C'est un petit rototo. Can you die and I revive you, please? Please die and I revive you. I need to revive. Please be knock out. Can you be knock out? Attention, vous tirez! Marshall, do you listen to me? Marshall. Balayage radar en cours. Bon, allez sucer les autres. Je sais pas que ça foutra. Mon petit redoudou, il est vraiment très mignon. Bon. Beaucoup de dé, c'est pas d'affin. Akukara, le petit Matisse, c'est vraiment un roudoudou. C'est vraiment un roudoudou. Qu'est-ce que tu fais dans ton petit chou? Ça te plaît la chanson? C'est la chanson du roudoudou. Que de folie. Ouh là là là, tu t'excites? Ça va? Oh, t'es tellement mignon. Kenny. Eh oui, je suis mignon. Un petit roudoudou. Qu'est-ce que t'as, mon doudou? T'es vraiment un choupichou. Le café et du sucre, ça donne un peu la pêche. Arrêtez qui? Je vais télécharger un truc, Caro. Oui. Tu utiliseras ton PC là? Non, je vais le débrancher. Juste avant.
a tout pris ou pas? Non, il restait 20. Ok. 190. Il n'a pas fait caca? Tu crois? Non. Moi, je l'ai pas changé. Pas changé. Attends. Non, il n'a pas fait. Ça nous en parle. Il doit se mettre les pieds sur mes épaules. Non, ça devient un peu. Je pense pas les petits t-shirts sur moi là. Hein? Ils ont tout passé en neuf. Oh si, là, au chat et tout, ça peut être bien. Tu veux que j'amène les assiettes, on les met dedans. Un carreau dans les choux. Comment on fait ça? On met les infos? Non, mais on le fera à table, maman, c'est tout ça. Tu peux mettre autre chose quotidien? Non, mais je peux mettre le zapping, ça peut être intéressant. Il y a de tout au moins. Wow. Quoi? Si tu veux. Ah, papa, Annika, ah bon, voilà. Mais j'ai pris un petit café sucre, je peux te dire. Il veut que j'y revienne. Il veut pas que je parte? Je m'en vais juste en avion quelques jours. Zapou. Ah. Ah bon, gala. Non, mais parce que je voulais chercher un truc et tu me gênes. C'est limité à 720p, c'est pas du HD. Regarde en Californie, regarde comme si ça t'est pas rêvé. Oh là là, c'est super dangereux. J'espère que le petit Mathis il fera passer à Calice. Non? Oh là 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 là. Oh là là. On manque de place, ça serait mieux au château. On serait mieux dans un manoir. Caroline. Quelle. C'était quoi les 10K? C'était quoi les 10 000? Je sais pas, le dev, le développement. Oh, c'est cher! Bah, c'est un site à 39 000 euros. 40. Moi, je sais faire. Hein. Non, il était à 50 et vieux. Quand on est en dessous des 40, 39. Moi, je sais faire sinon. Je sais pas. Oh, mon bébé!
c'est 10 000 pour nous, mais nous on va payer 3 000. Il n'y a personne qui va le faire. Oh, fin des chichots de jardin pour ça. Nous on se prend au moins. Donc, oh, pour moins 50%, pour au moins qu'on. Pas sur le fauteuil dans le. Allez Marty, tu sors de là. On va pas sur celui-là. T'as l'autre. C'est ça. Eh, tu viens, sors. On va se promener. On va manger. Allez, viens. Ça va, on va manger. Attention. C'est bien, merci. Merci Caro. Tu vis. Merci Caro. Je vais me laver les mains, si je peux. Voilà, je vous souhaite le poivre. Oh, oh, oh. T'as déjà mangé ? T'as mangé ? Sinon, la cristalline, je pense que vous allez en trouver à la station d'été. Il n'y avait plus. Il n'y avait plus d'eau. Oh, on aurait payé moins cher. Je ne sais pas où. Ben, il n'y avait plus d'eau. Mais là, il a de l'eau, lui, pour au moins 5 jours. Quoi. Ouais, au Monop, ils vont recevoir, je pense. Mais là, il n'y en avait plus. Les gens, même au confinement, ils se jettent alors que tu as le droit de sortir pour faire des. Alors, il y avait les grosses bonbonnes de l'eau Monop. Bon, comme il y en a une qui sert à l'alimentation des nourrissons. Ça y est, on l'a fait déjà. Là-bas. Alors, un peu d'accompagnement pour les nations. Tu l'as craqué ? Je peux dire, je peux même fermer le premier bouton. Quel est le problème ? Je peux vous emprunter votre chapeau ? Bien sûr. Ça tirait bien. Non. Je suis un peu.
Là, là. Il y a de la bière si tu veux. Ah, je veux bien. Deux. Soit une bière, soit un peu d'alcool. Soit on partage. Si c'est grand. Une grande d'espèce pour Caro. Même c'est terminé leur truc. Ah, ils ont changé. Ils sont comment en fait. J'ai rien compris les signes. Alors Olivier il est là, moi je suis là. D'accord. Bah comme d'hab. Moi je suis là. Alors. Ah Martine, ta queue. Ah oui, est-ce qu'on a mis le. Martine, tu as la queue trop longue. Bah pour toi, mais on a. Oui, on a lui. J'ai une idée, on va lui couper. C'est l'autre qui en avait pas. Et les oreilles aussi. Ça peut donner des crosses. Ça va te plaire, Martine, on va te couper un petit bout. Oh, Martine, j'ai bien dire qu'avant, leur couper la queue. Hein. Ouais. Moi, ça devait leur faire mal. Et puis, au chien, le museau. Bah oui. Leur raccourcir le museau parce que, soi-disant, ça dérange à la maison. Ça, c'est Caro qui a posé leur truc dessus. Il y a des gens qui étaient amis qui étaient avec nous, mais voilà. Il n'est pas froid, ce bébé. Un Caro. Ah, en fait, au lieu de remettre la télé, j'ai mis où je peux ouvrir Internet avec la PlayStation. Ouais. Et j'ai mis un zapping informatique. Donc, du coup, il y a zapping. Ouais, c'est ça. Zapping. Non, mais pour tempérer la planète, j'aime bien. Je préfère que les infos. Ouais. Ah, ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ouais. C'est les gens qui diffusent leurs vidéos et en plus des infos. Pareil, de bonne idée. Petite idée, comme dirait Gustave Raoul Kefel de alors bon appétit. Bon appétit. Voilà, j'ai défait les rayures. Là-dedans, il y a du paprika, ça, ça pique pas. Non. Mais il y a de la tomate aussi. Non, non, mais moi, la sauce qu'ils font avec, ça me va très bien. Il y a aucun souci. Je peux que parler. Ça, c'est la sauce de papa. Mmh. Ah, mais là, il est parti de son assiette. Là, il y a une sauce qui est un peu de cetacé. C'est un bis, là, la viande. Cetacé, dit la baleine. Il y a des cetacés. Cetacés. Ça s'est tombé, moi. Non, c'est ça. Coucou. Tu joues le kéké? C'est assez, dit la baleine. Ça, tu peux le faire quelque part. Ça, c'est drôle que Mathis et Mathéo ils se retrouvent à la crèche ensemble. Hein. Mais il n'y a pas de place en crèche. Non. Moi, les Allemands. C'est quoi, les Allemands? Mathéo, c'est un Allemand. Il est un peu allemand. J'ai un peu de mal. Ça serait plutôt Alsace. Ah non, c'est un Alsacien. Ah, ça va, là. C'est un Alsacien. Un Europa Park à côté. Marcel. Ouais, c'est un imprimeur. Ouais, il est pas vieux, maintenant. Il a plus de 80 ans, donc tu vois, ça va, il voulait avoir son, un petit-fils, une petite-fille. Je savais pas ce qu'elle attendait. Elle savait pas, la dernière fois que... Tu l'as vu, il y a un moment, bah, c'est elle, mois de la mars, fille. Hein, Caroline, il est... On l'a vu au théâtre, ouais. Avec ses parents. Ouais, je peux tout voir, quoi. Quand on, dans le cadre de notre abonnement... J'ai rajouté. Ouais, peut-être, je sais plus. Je sais plus. On avait vu... ça nous a marqué. Qu'est-ce qu'on avait vu? Le comte de Bauderbala. Ah oui. Ouais. Baptiste Le Caplin. Le comte de Bauderbala, ah oui, c'était pas trop. Oui, Gérard Junior. Je sais plus pourquoi je... Le comte de Bauderbala, j'ai vu à Nice. Oui, j'ai beaucoup aimé, moi. C'est vraiment un truc que j'ai beaucoup aimé. Vous avez dit, vous êtes un super public, vous deux, parce que vous avez bien ri. Ouais, ouais, vous avez jugé, hein, on est monté sur scène. Ouais. On s'est arrangé financièrement. Après, on a été obligé, hein. Sacré. Non, moi je prends plutôt des verres fraîches. Bah, vous devrez tailler avec ça. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est un hélicoptère? C'est oui, c'est ça, c'est ce qu'il faut aux États-Unis. Ils sont fous. Tout est surdimensionné là-bas. Mais ils ont eu l'idée comme ça. Tiens, on va couper les hélicos. J'espère qu'on va pouvoir y aller arbitrairement. Oui, on ramène les enfants, nos petits-enfants, et on repart, et puis après, je vais voir mon père en Ipad. Tu crois qu'on peut y aller, Caro? Non, ça va vite coûter, mais ça va. Il n'y aura pas de contrôle, je pense, sur l'autoroute. Non, mmh. Oui, c'est la bonne chose. Non, on ne prend pas l'autoroute, on va prendre la nationale. Enfin, sur les routes, quoi. Parce qu'ils laissent les gens... C'est un peu épicé, après. Oui, c'est trop bien, c'est trop bon.
Il y a pas de commande, les 38, on pourrait faire croire qu'on va retourner à Grenoble. Hein. Ah zut. Trop basilic. Trop épicé. Non. Qu'est-ce qu'il y a trop épicé? Ah, la sauce cayenne. C'est mon cayenne. Merci. Est-ce que tu veux un petit bout de tête de... Non, je sais pas. Il y a du parmesan. Merci. Sinon, baisse la télé, hein, parce que le mec qui passe la ski. Ah non, il passe pas la ski. C'est rigolo, hein. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Oh, ah, mais ça tombera pas plus bas. Essaye de pas trop marquer le sein, parce qu'elles sont laquées. Je sais pas si c'était comme ça. Ah, vous bougez la caméra là. Non, non, moi ça me gêne pas. Mais elle est quand même pas la caméra. Enfin, c'est pas une caméra, c'est un micro. Non, ce que je veux, c'est les garder, toi, laquées. Parce que je sais pas si tu comprends qu'elles sont laquées. Oui. Bah, la poussière prend dessus. Hein. Ah, bah oui, mais je les passe régulièrement. Non, elle aime la poussière. Et avec un chiffon spécial. Non, mais ici, c'est quelque chose, la poussière. Ouais, elle se met par endroit. C'est avec les vents. Par contre, ce qui est devenu super, je sais pas. C'est pour très carré. Tu passes le chiffon, c'est pareil. C'est quoi, c'est un poil? Je vais jeter la pomme de la main. Ça va être froid. Ce qui est devenu superbe, c'est ça. Bah, t'as vu cet arbre? T'as vu l'arbre derrière moi? Je l'ai planté après le confinement, il était grand comme ça. C'était une pousse. T'imagines? Regarde ce que ça a fait. Ça fait un arbre. Il a mangé? Oui. Et ça, ça vient de chez vous? Regarde, j'en ai pris un seul chez vous, de votre cour. Ah bon? Oui, un seul. Voilà. Et le fuchsia, pareil, j'ai fait une bouture dans votre cour. Bon, le fuchsia, il faut le ramener à l'histoire, je suis pas crevé. C'est marrant. Ah, mais par terre, c'est joli même. On fera ça quand vous aurez déménagé. On va tout rouler dehors et on va tout nettoyer à fond avec la balai vapeur. Le Bernard, il fait des petits jardins comme ça, il va montrer. Avec les galets blancs, des petites... C'est joli. Ouais, moi, j'aime bien. Des petits arbustes. Ça doit bien marcher là-bas, hein, les jardins. Ouais. Là, c'est marrant, hein. C'est par mode. Hein. Ouais. Rien de ciné. Ils ont fait le... C'est une mode. La formation, et après, tout le monde l'achète. Moi, c'est une mode. Je comprends mais, pas. Aussi, mais tu sais, t'as les points, j'en ai fait un. Couper les arbres et tout, et ça, c'est obligatoire pour les incendies. Ah oui. Ah oui, pour la voir. Tu sais qu'à Milton, Caro, on avait l'aquarium en sphère. Tu te souviens de cet aquarium? On avait une boule comme ça, aquarium. J'ai fait un mini jardin comme ça dedans. Avec Alice, elle a tiré de la mousse que j'ai ramené du lot. C'est efficace. Et ça bouge, ça. Donc on l'a mis avec. C'est bien, moi j'aimerais bien faire ça avec le lot. Non. Moi j'ai fait plutôt. Ça fait mal au dos. C'est dangereux. T'as quoi? Un peu de physique. T'as quoi? Toi, t'es venu sans jardin, ça. Bah, j'adore ça. Je préfère. Bah, fallait, j'adorais ça. Je ronçonnais toute la journée. Je peux faire des boutiques et c'est fait. Mon zouzou, tu cries, hein? Et c'est physique, hein? Fallait, je faisais de la coquille. J'ai passé une cognée à Jean, je sais pas s'il va y arriver. Pour fendre le bois. Faut savoir le faire, hein? Coucou. J'avais pas envie de le faire là-bas. Je peux vous prendre des boutiques? Bien sûr. Et arrêtez-le. Jean Morin. Tiens, c'est nickel, Jean. Tu veux un peu de sauce shiitake? Mmh. Vas-y, hein. Mais non, c'est physique le jardin. Mais même avec toi, c'est physique. Hein. Pourquoi je me mange? On peut être toute la journée à quatre pattes en train de couper des trucs. Hein. Mmh. Après, tu vas à la déchetterie, tu prends des sacs qui font 50 kilos. Tu veux un peu de Kézak? C'est marqué. Mmh, j'aime les regards. Tu veux l'aider? C'est clair. On peut lui en plus alors. Non, il n'y a que le dos de la sénoise. Ou bien à l'alimentation du nourrisson, il y a marqué. Très bon. Mais qu'est-ce que tu fais, moi, j'ai ça, coquin?
Mais moi j'étais étonnée, il n'y avait personne ce matin. J'étais seule à la boulangerie, j'étais au Monop, il était 11h, je pense que j'aurais fait la queue, rien, personne. Je suis passée à la caisse tout de suite, c'est la bonne heure. Il n'y a pas de policier hein, dans les rues. Hein. J'en ai pas vu. Hein. Ah, normalement, jeudi, vendredi, ils sont sortis. J'ai jamais pris mon attestation. Si ça craint pas, tant mieux. Mais quand même des êtres humains. Je veux bien que vous me la téléchargez sur mon portable. Je pars sur tes formes, bien. Il faut avoir internet pour la rentrée. Moi, je préférerais ce soir. Il faut avoir internet quand on la rentre. Ouais. Ouais. C'est logique, ce soir qu'on rentre chez nous. Bah. Demain, ça fait week-end. En 4G, il y a peut-être moins de monde. Ouais. Demain, ça fait les gens qui vont passer le week-end. Toi. On a un grand papier, une gomme. Hein? Vous pouvez aller à Londres, hein? Ça fait plus loin. Mais après, c'est bloqué. Depuis Prapoutel. Ah oui, mais il faut aller à l'état. De... Comme vous. Non, t'es quand même plus près, je crois. De toute façon, le plus suspensé de briller, mais je ne peux pas. Mais... C'est Eric, Henri et Froul, là? Ah non, c'est celui-là. Je pense qu'on aura l'été de toute façon. Ouais. On aura des nouvelles peut-être aujourd'hui. Non, elle m'a eu, mais moi, elle a été maintenue, là, mais t'es arrivée, bien sûr. Non, mais ce serait bien que l'agence, tu devrais appeler l'agence, ça va, c'est les. J'ai l'ai eu, l'agence. Alors elle était en pleine réunion, elle ne savait pas me dire. Elle te l'a dispersé. Oui, mais elle n'a pas rappelé des décisions. Non, parce que ça dépend du ciel. Attends, c'est reporté? Non. Pour les conditions, les signatures, l'état des lieux, les machins, les idées, elle doit. Ouais. Elle va le faire, on verra, moi. Elle me rappelle toujours, hein. Coucou. Coucou, papa. Ça va? Coucou, coucou. Coucou, coucou, coucou. Oula. Il est sage, hein, quand même, hein. Ouais, c'est la vue. Ben oui, tu vois, pas de raison de pleurer, la nuit, il a dormi. Il t'était ses doigts là, avec la couche, donc je l'ai retenté, il a repris un peu. Mon Dieu, c'est quoi? Regarde, les tornades. 1, 2, 3. Il y en avait deux autres. 4. 4 tornades. 5. Non, mais c'est une folie, ça. Ouais, c'est où ça? C'est un délire. Là. Des États-Unis? C'est ce qu'il y a de plus dangereux. Hein. C'est fou, ça. Sur un nuage. Oh là là. Mais tu te rends compte? Il y a de la chance de pas se taper la nuit sur le terrain. Il y a des miracles. Oui, il y a des. Dans le bêtisier, parfois tu te dis, mais comment ils sont encore en vie, quoi. Je suis d'accord. Il y a un canon qui passe et on dirait qu'il est tiré comme ça. Mais c'est incroyable. Mais c'est ce qu'on fait avec le train, hein. Quand on monte sur les fils électriques. Avec la moto. Avec la moto. Ouais, la moto, elle est hivernée. J'ai trop fait aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Toi, j'ai bien dormi. C'est vendredi, hein, tu t'apprends la mosquée et après dedans. On est tombé en panne d'essence en fait dans le. Pas pour rien que la religion. Oh là là, ça me rappelle la barre que Clem s'était pris sur la tête, tiens, ça y est. C'était pas Clem, c'est ça. T'entends Caro, on est tombé en panne d'essence dans le. Ouais. Et lui, la boulette, il est en train de lire son journal. Bah, les deux, les moustaches. Caro, des haricots. Non, mec. Oh non. Ils sont bons au bocal, hein. Ouais. Ouais, j'aime bien, mais on est habitué aussi. Du coup, qu'est-ce quand ils achètent Picard, ben, je trouve qu'ils ont moins de goût. Mais il y a pas besoin de choc. Il faut les assaisonner. Les chapeaux. Il est excellent, mais. C'est des gourmands. C'est l'enchaînement qui est drôle. Donc, on est trop en panne d'essence dans le lot. Ah bon? On arrive dans le Lot et puis ça commence à sonner. On avait fait le plan en partant plus tôt, donc 600 km. Ah, et ça commence à sonner. Papa, il me dit on ira prendre de l'essence demain. Ouais. On était dans leur rue. Hein. Et puis le lendemain. Non, on était sur leur chemin. Ouais. Donc on s'est dit on va pas repartir. Puis dans le Lot, il y a des cailloux. On avait ras-le-bol. Et pour faire demi-tour, je regarde chez Tate Jean, devant son grand garage dans le fond. Et pour faire demi-tour, il faut monter sur une espèce de rocher. Donc je monte à l'arrière, donc la voiture, elle devient comme ça, comme en montagne, quoi. Ça a désamorcé le réservoir, impossible de le ramorcer. Merde, il a fait comment? Et bah, pour ramorcer, il faut 4 litres. Donc il me restait 5 litres, 6 litres, donc sur 2 litres d'essence, je n'avais plus. Donc j'ai appelé Jean, et puis on est allé chercher... Tu l'as laissé dans la pompe comme ça, avec le frein à main?
comme ça. Non, non, mais tu rigoles. Comme ça, elle était la pente. Mais t'as mis quoi? T'as mis frein, non, du coup? Comme tu l'as laissé en pente. Ah bah, elle est redescendue. Et vu qu'elle était en pente, elle est redescendue. Ah, je peux plus la démarrer. Et en mettant de l'essence, elle démarrait tout. Il fallait la ramasser. J'avais vraiment désamorcé. T'es allé chercher dans un bidon. Un bidon chez Gamver, un bidon chez Gamver, et après. J'ai acheté un bidon chez Gamver, 20 euros, et après je suis allé mettre 10 euros. 10 litres. Ah, bah oui, parce que c'est interdit ça. De quoi? De mettre de l'essence dans un truc. Et puis heureusement qu'on s'est pas fait prendre, parce qu'en plus on se prenait du problème. Ah oui, mais c'est vrai que c'est interdit, hein. Ah bon, lui quelque part, il faut appeler un garage et payer le garage. Ah oui, ouais. Bon, ah non, mais ça c'est sur l'autoroute. Un autre sauce. Hein. Ah, ah oui, c'est sur l'autoroute. Parce que là, je tombe un pal chez les Morins. Oui, sur la route, ça serait pareil. La route, j'aurais été emmerdé. Non, mais je crois qu'il y a une vieille loi comme ça. Une loi. Oh, le plat. Oh, le plat. Regarde bien, tiens, le mec, comment il va tomber à plat. Ah oui, ça. Ah oui, il a plongé un peu. Ça va, il est pas vite. Il est gros, mais pas tout. Alors lui, il est musclé. Allez, marié dans le nez. Mais c'est bien gamelé. T'achetais ton vaccin en pharmacie, le pédiatre, il le fait bébé. Au fait de pardon, au fait de vaccin. Au fait de vaccin, on ne peut pas se faire vacciner contre l'année. Mais non, elle dit qu'ils l'ont pas reçu. Mais la semaine prochaine. Mais ils ne savent pas, en fait, ça dépend des. Il y a des priorités. Au niveau des prioritaires. Lui aussi, apparemment. Et Marty aussi. Moi non. Pourquoi? Parce que j'ai pas 65. Oh, regarde, on dirait un bébé Marty. Je croyais que parce que vous êtes très. Ah, donc toi, tu peux pas te faire vacciner. Ils vont pas te le faire dans les pas en priorité. Bah, je sais pas. Bah, non. Ils sont pas en priorité. Ils vont à 65 l'année prochaine. Je veux la jouer comme ça. Je suis en contact avec des personnes âgées. Je voudrais faire une loterie. Dis-le, j'en contact avec ton père. Non, tout le monde est en contact. Bien sûr. Ah non, après ils vont pas me faire suer. Hein. Mais tu ne veux même pas ta carte de suer. Non, sinon tu les menaces. Ça a déjà été dangereux un vaccin. Il y a deux. Non. Ils vont m'arriver sur la carte. Si, parce que la carte vitale, je vais avoir mon année. C'est un peu dangereux un vaccin, mais c'est tellement dangereux, plus dangereux quand tu te chopes un truc. C'est, rien n'est sans risque. On va faire 65 en 2021. Ouais. Ouais. Ouais, prochain. Et toi, Caro? Covid? Les boules! Comme Christian! Et toi, Caro, quand? Non. Ouais. Christian et moi, on a la même année. Mmh. Lui, il est février et moi, je suis de 8 heures. Et là, je ne connais pas tout le sens. Comme Brigitte. Je ne sais pas. Tu ne souhaitais pas?
Oula. T'as encore des dents? Et Pierre, du coup, je sais pas comment ça se passe. Tu as vu le supérieur, il est sur le campus. Donc non. Si c'est cours à distance, tu les continues dans ce campus. Peut-être qu'il est rentré. Mmh. Ou s'il rentre, si c'est cours à distance. Je pense pas qu'ils sont rentrés. Pierre, c'est le... Pierre, c'est le fils de Hélène. Bah oui, c'est tout récent. Mmh. Ça date d'hier. Tu en as quelques photos? Avant-hier. Ouais, c'est un chef de vitre. On vous en ramènera. Voilà. Tu t'énerves là. Oh, il est trop mignon. C'est quoi? Un lézard. Bah non, c'est petit. Vu la taille de la fleur. Un bébé croco. Ouais, c'est un gecko, je crois. Ok, mignon. Je ne sais pas rechauffer la tarte, elle était tiède. Ouais, elle était tiède. Ça va mettre du fromage. Non, c'est bon. Mais le couteau au four, il a fondu le couteau. Ah ben ça vaut pas, mais une américaine qui nous avait fait un chili con carne, elle avait réchauffé au four dans une poêle avec la queue en plastique et tout avait fondu dans le chili. Et attends, elle nous sert le truc sans rien nous dire. Et puis, je dis, mais c'est bizarre. Et je vois pas. Hein, non, bah, elle voulait qu'on mange son truc. Je lui dis, mais il n'y a pas en rêve. Du coup, on avait commandé des pizzas. Mais je vois bien ça. On mangeait du pétrole. Carrément. C'est pas génial. Mais elle était bizarre, cette fille. Hein. C'est qui? Une copine d'un copain. C'est une copain mexicaine. Ça, j'aimerais bien savoir faire ça. J'ai jamais su faire. C'est dur, hein. Ouais. J'ai jamais fait décoller un skate. Ça, on avait un copain qui était champion du monde. Mais ça, c'est faisable. Moi, j'ai vu comment on peut décoller d'une bosse. Mais faire décoller un skateboard avec la chaussure. Et là, ce que j'ai à faire, on était copains avec Poyo. À l'époque de Gorette, vers les Pyrénées. Vous avez jamais essayé le skateboard? Non. Parce que si, j'ai essayé. Je comprends pas comment ça accroche le pied, quoi. Comment il s'appelait? Gros Piron, t'as connu? Ouais. Gros Piron. Ouais. Bon, on a passé deux hivers avec lui. Il achetait des skis, il les sciait à la meuleuse et il faisait du ski de boss qu'on appelait le hot dog à l'époque. Il y a de plus en plus des acrobates en ski. Ouais, mais il était champion du monde, Gros Piron. Et on l'a connu avant. Non, mais c'était à Gourette. On l'a connu avant et il avait fait toute une piste noire en boss. Ces années là, il faut aller. Oh putain! Ah ouais, ils sont malades. En plus, il n'est pas décollé beaucoup. C'est-à-dire qu'il a essayé plusieurs fois. Stéphane Gros-Piron, on était sous le soir avec lui. Le snowpark, faut y aller se poser. Il y a trop de trucs à regarder. Hein. Et voilà, le chef-d'œuvre. Oui, elle est très belle. Ouais, j'avoue qu'elle est très belle. T'as travaillé, regarde. Tu peux me permettre? T'en as fait plein tout une seule. Elle est belle. Comme chacun. Ah d'accord. Et là, tu te souviens, Stéphane Gros-Piron, à Gourette? Bah, ce gars-là, il était champion du monde. De ski? Non, de ski de boss. C'est lui qui a lancé en France le ski de boss. Il y a longtemps de ça. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah, il bat les œufs. Ah ouais, bonne idée. Ah non, mauvaise idée. Ça, c'est dur. Ouais, c'est pareil. Sur l'eau, on s'est occupé de ça. Des figures de ski de type. Sur l'eau, c'est pas évident. C'est pas dur. Coucou, Zouzou. Moi, j'en ai fait beaucoup de ski de type. Pas des figures comme ça. Tu l'avais trouvé pour charger. Comment t'as chargé? Comment t'as chargé? Avec le mien. Bah, figure-toi que j'ai découvert celui que t'avais à charger. Il faisait le même. Bah, c'est bien. Sinon, j'aurais pu, ça faisait du tout. La patte, elle est un peu dure. Je vais te charger. Non, c'est comme ça qu'il faut qu'elle soit. Fais-le pas en deux, fais-le en trois. Ah non, non, en deux. En quatre. En quatre, hein. Bah, je pense que vous en aurez, oui, c'est ça, en huit. Non, non, je veux bien ça. Vas-y. Je te sers de l'eau. En demi, ouais. Ouais.
moi j'adore ça. Oui, d'accord, merci. Je crois que c'est un de mes fruits préférés. Mais... Attends, il faut que je le baptise. Merci. Une grande ou une petite? Une petite. Écolar les joues, choix dans ta tarte avec les pommes. Ah j'adore. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Elle est dure, la pâte. Chlopa! Mais elle est belle. Oula. Petit, là. Pouh! Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a volé tout seul. C'est une de mes spécialités. Tu m'as appelé, regarde, j'ai envoyé en l'air, c'est tombé sur ta tête. J'ai mangé chaud avec une goutte de glace. Mmh. Elle est bonne, hein? La pâte est bonne. Mmh. Non, c'est la pâte. C'est pas la pâte artisanale, mais. C'est la pâte qualité. Ouais. Elle est bonne. Non. Pourquoi t'as pas de sol mal, hein? Oui, je sais. Juste le milieu. Voilà, comme ça. Ah, elle est bien, elle n'est pas caramélisée, mais elle est bien. Coucou. Là, j'ai mis du sucre et du beurre sur le bord, mais du sucre du nord. Regarde. Ouais. Ah, je sais, j'aurais dû mettre du beurre sur le bord. C'était ma dernière journée à la Gardère à 6h du mat. J'étais blessé comme ça, le cul derrière. Il m'envoie un gros carton de pain au sol qui claque dans mes oreilles. Je fais ah ouais. Maxi Bar, qu'est-ce que tu m'as dit? On dirait Martin derrière. Où c'était ça? Mais la Gardère, il est con là. Ils sont violents. Parce que j'ai mis une demi-seconde de trop à ramasser un truc par terre, ils m'envoient un carton, mais ça m'a percé les tympans. Enfin, ouais. Ça, je ne sais plus jamais, tu fais ça toi. C'est qui la Gardère? Le monsieur là, la Gardère. Bolloré. Oh. On peut la manger comme une pizza. Ouais. La pâte est bonne. La pâte, il faudrait mettre du grand marnier. De la dedans. Cannelle. Non, oui, de la cannelle, mais du grand marnier, c'est bien. Ok, un peu d'herbe. Oh! Oh! Il se marre. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi il y a des gens dessus? C'est la musique? Oui. Ça doit être une manifestation musique, avec les marins. La musique. C'est du boulot. On a vu des oiseaux comme ça à Viltra, c'était impressionnant. On va reprendre un petit bout. Ouais, bah dans le bois aussi. Le manif, elle est tête, coach. Attends, on va refaire Hitchcock. Les oiseaux. Souper les artimus, c'est-à-dire que. Ouais, très bonne. C'est la période de la migration. Ouais. Non, mais souquer les artimus. Ah bon? Ouais, en ce moment. Et ça veut dire quoi? Bah, les oiseaux, ils partent d'Europe du Nord, ils vont vers l'Afrique et l'Europe c'est du Sud. Ils cherchent la chaleur. Non, c'est pas ça, j'ai dit souquer les artimus dans la marine. Dans la marine. Bah, souquer, ça veut dire serrer. Les artimus. Artimus. Les fils, les câbles. Les artimons. Les câbles, les poulies. Ah non, souquer les artimons. L'artimon, c'est le bas du mât. Non, non, j'ai souqué les artimus. Ouais, ouais, je connais pas. L'artimon, c'est le bas d'un mât. Et souqué, ça veut dire serré. Il y a une expression qui dit souquer les artimus. Je sais pas, excuse-moi, je suis jeune. Je vais parler de bah, ils l'ont écrit en plus. C'était écrit souquer les artimus. M-I-S-O. Je connais pas. Les artimons, c'est quoi? L'artimon, c'est un mât. Voilà, c'est le mât qui est à l'arrière d'un mât. C'est quand tu as un bateau qui a deux mâts. Oui. Le mât d'artimon, c'est celui derrière. C'est ça. Et pourquoi celui derrière hein? Parce que ce sont quoi? C'est le mât. Bah, et les gréements. C'est dur, le vélo, là. Tu as des gréements, ce qu'on appelle en bateau oré. Ça, j'adore, regarde. Homer Simpson vite. Regarde Homer. Dans les Simpsons. C'est un mini vélo. Non, non, ils sont pas, c'est les Italiens qui font ça. À tomber dans la mafia italienne, c'est très répandu dans la mafia italienne. C'est vrai. Il va tomber, c'est sûr. Et t'as un bateau, t'as un gréement aurique, c'est-à-dire t'as un mât à l'avant qui est plus grand que le mât à l'arrière. C'est un petit mât. Et le mât qui est plus petit, ça s'appelle un mât d'artimon. Voilà. D'accord. C'est sur uniquement les gréements auriques.
C'est du pain que ton attaque. La finissée pour ce qui reste. Et souké, ça veut dire. Bah, souk, souk, souk. Tire et tu tires. Oh, il dit chiquette aussi. Oh, oui. Bah, souk, c'est Oïs, voilà, c'est ça. Vous allez le chercher. Tain, elle a fait un beau balcon là-haut. Elle l'a fait en même temps que nous, mais il a bien poussé son truc. C'est ça. Là, celui qui a la rambarde un peu beige. Le store orange. Oui. Elle a fait un très très beau balcon. C'est elle qui a allumé la nuit. Ah oui, il y a les prunus, il y a les trucs. C'est très joli les arbres qu'elle a mis. Mais par contre, elle, dedans, elle a des néons rouges, orange, jaune. Ah, peut-être. Je n'ai pas compris la déco. Une boîte mais... de nuit. Oui, c'est ça. Mais elle l'a fait en même temps que nous. Parce que je la voyais planter quand je plantais. Oh mon Dieu, coquin. Tu tousses. Le zap de coquin. Qu'est-ce qui va pas, Pépé? C'est mal, Artimon. Vraiment? T'as fini, Brice? Ah oui, je n'arrive pas. J'ai mangé trop de pain, je suis désolé. J'ai un peu mal au ventre. C'est peut-être les épices, mais. Ah, je t'avais dit. Oui. Je crois que je vais boire un verre d'eau. C'est pas méchant. Ah, là, je vais boire un verre d'eau pour faire passer l'acidité. Ah, la veste. Parce que j'ai froid. Parce qu'après, je présente une émission qui s'appelle Quotidien. Bonjour, bonjour, je suis de bonne famille. Attention les yeux, attention les ronds, attention le gland, ça fait partie du rond. Ok, en même temps. Boum. T'as quoi à faire cet après-midi, Caroline? Non, une phrase, mais elle était définie. J'avance sur l'autre. Il serait pas temps de faire un peu de dos. Il est déjà 3h d'après-midi. Il est 2h. 2h10. Parce que lui, ça sera entre une demi-heure. Mets pas ton téléphone sur ton ordi, Coco. Ça va être bien. Mais il a ça, oui, c'est bon. Chacun sa petite place. Mathis, il avait 3/4. Plus en plus de jouets au fur et à mesure. Moi, j'aime bien qu'on s'est bien rempli. C'est mignon, celui-là. Coucou, coucou, les îles rondelles. Coucou, coucou, les petites sauterelles. C'est ça? Hum?